Bonjour à tous, nous sommes l'équipe 8. Nous avons réalisé un projet vidéo dans le cadre du cours de COM115 qui traite sur l'immigration des Français au Québec. Pour ça, nous avons interrogé différentes personnes, que ce soit des Français ou des Québécois, et nous allons vous présenter notre travail. Jingle! Et selon vous, pourquoi est-ce que les Français viennent ici au Québec? Ben pour commencer, on parle français. C'est pas le même français, mais c'est français quand même. C'est une très bonne question. Je sais pas, peut-être la qualité de vie, sûrement pour ça. Aussi parce qu'il y a de plus en plus de problèmes en France, je pense. C'est une des raisons. Je pense que c'est les nombreuses règles qu'il y a dans le marché d'emploi en France. C'est un marché très rigide comparé à ici, qui est moins rigide. Ben, je suis jamais allé en France, c'est sûr de le dire, là. Mais ici, il y a pas mal plus de place. Alors, on est moins compact. Il y a plus de, je pense, d'options pour un Français de venir ici qu'un Québécois d'aller en France puis d'essayer de se trouver un job puis de vivre là-bas. Là. Mais je n'ai jamais été, fait que c'est dur à dire. Puis à part ça, ben c'est bien le Québec. Qu'est-ce que vous pensez des Français qui arrivent et qui ont du mal à vous comprendre, que ce soit par rapport à votre accent ou par rapport à vos expressions? Ben, je pense que c'est juste drôle. C'est normal. Ouais, c'est normal. On n'a pas le même accent ici et puis en France. Moi, j'enseigne avec des enfants qui arrivent de d'autres pays. Puis c'est normal qu'ils n'ont pas entendu c'est la façon qu'on parle. Fait que c'est correct. T'sais, je veux dire, j'ai eu un Haïtien là, qui vient d'arriver. Il comprend pas ce qu'on dit. Pourtant, il parle français en Haïti puis créole, mais lui, il a parlé français, mais c'est pas la même sonorité. Donc, c'est juste une adaptation de l'oreille. Ben ça, je suis habituée quand je suis en France. Je vais en France une fois par année. J'ai l'habitude là-bas. Alors, c'est toujours ça s'entend, des trucs comme ça. T'sais, vous êtes québécoise, ça s'entend. C'est bon. Mais c'est comme ça. Les êtres humains, on est comme ça. C'est pas méchant. Ben, ça dépend aussi des Français. Si c'est le Parisien ordinaire, tu vois. Lui, ce Parisien-là, va bien aimer essayer de nous montrer qu'il est un peu supérieur à cause de notre accent, je sais pas quoi. Fait que, mais c'est comme ça, on le sait. C'est un jeu, puis... Et puis vraiment, on s'en fout. Quand tu parles français, ben, tu parles français, là. C'est comme en France. Quand on va à Marseille ou un peu partout dans la France, il y a des accents différents. Alors ici, c'est pas... Je sais qu'il y en a qui vont dire, au lieu de dire, comme par exemple, Jean-Pierre, il y en a qui vont dire Jean-Pierre. Puis il y en a d'autres qui vont dire Jean-Pierre. Et puis ben, moi, je suis comme entre les deux. Là. Parce que tu sais, du beurre et du beurre, ouais, c'est la même chose, hein? Mais bon, c'est ça. Il y a peut-être un manque d'effort léger, mais... Mais j'ai pas trouvé ça. Notre dernier voyage, non, j'ai trouvé que c'était pas du tout ça. Les gens essayaient. Fait qu'on voit qu'ils commencent à connaître notre accent, puis contrairement à avant. Là. Quand vous ne comprenez pas, je trouve ça encore plus drôle. Mais les Québécois, vous avez aucune difficulté à comprendre en français, par exemple? Ben, ça dépend. J'ai pas de la misère à comprendre. C'est plus les expressions que vous utilisez que j'ai aucune idée de où que ça sort. Mais en tant que tel, là, vous comprendre, il n'y a pas de problème. Puis... En fait, c'est que nous, on est peut-être plus habitués. C'est donc, on est habitués de faire l'effort, les anglophones. On écoute leurs films. Eux, c'est pas toujours ça qu'ils vont écouter. Plus maintenant, ils connaissent plus, mais c'est normal. Ben, j'ai aucune misère à vous comprendre. Je veux dire, à la télévision, tout ça, ça reste du français international. C'est souvent les expressions françaises qu'ils utilisent. Donc, je comprends tout. Ben, des fois, les expressions. Ouais. Quelques expressions, mais sinon, sinon je pense que... C'est quoi qui vous motive à aller en France? Qu'est-ce qui vous donne envie d'y aller? Oui, on était à Paris d'ailleurs, à Pâques. Oui. Écoutez, c'est beau la France. C'est beau. Les vacances, on visiter Paris. Ouais. Parce que vous y êtes déjà allé? Hein? Non. OK. Jamais. Tout ce que je veux, c'est d'aller là. Je me trouve un village, puis je veux juste voir la mer, et puis c'est tout. Là. J'ai fait Paris, j'ai fait Brest, la région du Finistère. Mais, Moi, je suis allé à Lyon, Carcassonne, Dijon. Fait que, oui, je connais. Ça, cet endroit-là, pour moi, ces endroits-là, c'est... on ne les retrouve pas nulle part ailleurs. C'est... Je ne sais pas, il y a quelque chose. On ne peut pas expliquer, franchement, ce que c'est. Mais tout ce que je sais, c'est que quand je suis là, je me sens un peu chez moi. J'aimerais ça, oui. Ouais, moi, je veux partir en France, ouais. Ouais, vous pensez que c'est quand même sympa à visiter? C'est un des pays que j'aimerais aller, ouais. Ouais, je veux aller en Europe en général, pas nécessairement juste en France, mais passer par là. Ici, en France, ça a l'air le fun aussi. J'aime aller à Paris, je suis artiste, alors j'aime aller faire le tour des galeries, des musées. J'ai des amis là-bas.
retraite, beau, ouais. J'arrête pas on de dire que... Quand il va être à la retraite, on parlait d'aller... Un long séjour. Oui. Pas vivre, mais un long séjour. Oui. Un mois, deux mois. Alors moi, je m'appelle Anaïs, j'ai 28 ans et je suis ingénieure de procédés à Montréal et je viens de Lyon, en France. Je suis arrivée en 2010, en septembre 2010, donc ça fait 6 ans, mais je suis retournée en France entre-temps. Moi, mon nom, c'est François, je viens de Victoriaville, c'est à 1h30 de Montréal. J'ai fait mes études à Polytechnique, c'est là que moi et Anaïs, on s'est rencontrés. Toi, vu que tu es française et que tu es arrivée, qu'est-ce qu'il y aurait quelque chose que tu aurais bien voulu savoir avant de venir ici, quelques 2-3 petits conseils que tu aurais apprécié connaître Bah, franchement, pas tant que ça. Enfin, le seul truc, c'est peut-être... quand je suis arrivée, j'ai fait ma première session à Polytechnique. Au début, on a tendance à rester en français parce qu'on connaît personne et tout. Mais les gens, comme il y a tout le temps des étudiants d'échange qui viennent, qui repartent, ils prennent pas le temps nécessairement de venir te connaître parce qu'ils savent pas si tu vas rester que 4 mois. Bon, ça va. Ouais. Mais nous, moi, je restais 2 ans. Donc au final, la première session, je restais surtout avec des Français. C'était un peu dommage quand même, parce que quand t'es à l'étranger, bon, c'est un peu pour être avec les gens du coin, quoi. C'est ça. Et donc voilà, ça a pris un petit peu plus de temps. Enfin, la première session, je connaissais pas grand monde de Québécois, mais après, on a plus commencé. Et toi, quand tu vois des Français arriver de l'étranger, comment tu les ressens un peu la première approche? Comme elle a dit au début, nous, on était un peu en deux chaises parce que on se demandait si elle allait rester pour 4 mois ou si elle allait rester pour plus longtemps. D'accord. Je pense qu'une fois qu'on a compris qu'ils terminaient les 2 dernières années avec nous puis qu'il y avait moyen d'avoir du fun avec eux, on s'est liés d'amitié avec eux autres puis on les a bien intégrés au groupe, mais je pense que tous les Français qui sont en échange sont très, très... enclins à participer à toutes sortes d'activités, sont ici pour découvrir toutes sortes de choses. Fait que je pense que c'est ça qui est bien, bien le fun, parce que vous êtes ici pour découvrir des nouvelles choses, fait que vous êtes enclins à faire plein de trucs. Est-ce que tu as remarqué une vraie différence entre la pédagogie française et québécoise, méthode d'enseignement? Moi, c'est un peu difficile parce que je faisais pas la même chose en France qu'au Québec. D'accord. En France, j'étais en pharma, on était 250 dans la promo, donc c'était des cours en amphi. Quand je suis arrivée à Poly, dans ma promo, on était 40. D'accord. Donc c'était pas du tout le même... La relation avec les profs. Non, puis franchement, les profs ici, ils te tutoient, tu les tutoies. C'est ça. S'ils sont vachement accessibles par rapport... Enfin, c'est sûr que si tu vas voir les profs, mais bon, t'es moins enclin à aller voir les profs, je pense, quand t'es en France, parce que surtout moi, comme je disais, j'ai pas trop eu l'expérience de l'école d'ingénieur en France, donc c'est un peu difficile de comparer. Mais c'est sûr que quand t'es dans un amphi de 200 personnes, lever ta main pour poser une question, c'est pas pareil, quoi. Non. Je m'appelle Laurie, j'ai 21 ans. Je viens de Montréal, mais la rive sud, de Sainte-Julie. J'ai habité là toute mon enfance. Puis, c'est ça, je suis étudiante en linguistique à l'UQAM, donc j'étudie la langue française, tout ce qui est la structure des phrases, la structure soit phonologique, morphosyntaxique, sémantique. Donc, on va vraiment analyser la langue et ses systèmes. On voudrait savoir, d'après toi, de par tes études et de par ton point de vue, pourquoi est-ce que le français est-il devenu si différent au Québec et en France depuis le départ des Français du Québec qui sont retournés en France? Qu'est-ce qui fait que la langue a autant pris des variations différentes? Qu'est-ce qui fait que le français de France et le français du Québec ont autant de variations? C'est probablement au contact des autres langues qui entourent justement l'Amérique du Nord. Par exemple, on parle de l'anglais. On parle aussi, c'est vraiment historique. On s'entend, dans le passé, il y avait beaucoup d'influence par rapport à, j'allais dire, la ANB, qui était un acte, une histoire, mais bref, je n'entrerai pas là-dedans. Dans le fond, je pense que c'est vraiment parce qu'aujourd'hui, on est en contact beaucoup avec l'anglais. Il y a
plus de variations dans les voyelles du français québécois que dans les voyelles du français de France. Okay. Si, par exemple, je te dis « pain », bien moi, le « ain », on s'entend, ça appartient comme au système vocalique du français québécois. Tu sais, je pense pas que le « ain » soit nécessairement non, à part peut-être dans le sud de la France. Oui, c'est ça. Fait que, tu sais, je pense que le fait que ça soit autant différent, c'est le contact avec les langues qu'il y a eu dans le passé. Puis ça, c'est une... vraiment au niveau historique. Quelles sont les expressions québécoises et ou françaises qui t'ont le plus marqué? Dans le français de France, c'est vraiment le verlan, je pense. Ben si c'est une expression, mais bon, c'est plus une façon... forme de langage. Ouais, c'est le verlan qui est, je pense, tu sais, mettons, c'est relou, chelou, tu sais, c'est... Moi, dans ma tête, ça fait aucun sens, mais je me dis, dans la, okay, dans la tienne, ça fait comme... C'est grammatical. Ça fait plus de sens dans le sens qu'on l'entend, ouais. Mais c'est pas plus grammatical pour nous, tu vois. C'est quelque chose qui vient, je sais pas si tu le savais, mais qui vient beaucoup de Paris, principalement. OK. C'est, ça prend sa source à Paris. C'est beaucoup les gens de Paris qui ont un petit peu mis tout ça, qui ont un petit peu développé cette forme de langage. Mais ouais, je t'avoue que moi, le premier, j'aime pas parler forcément comme ça. Même si je l'ai dans mon habitude de langage. Ah man, t'es relou, sérieux, c'est genre, c'est trop chelou, ça. Enfin, tu vois, mettre tes mots inversés. Mais c'est pas forcément une forme de langage qu'on va apprécier. Parle-nous des sacs. Qu'est-ce que tu penses des sacs? D'où ça vient? Et est-ce que tu penses aussi que les sacres sont aussi mal vus que par le passé à l'heure actuelle au Québec? Ben, je te dirais tout d'abord, les sacres, ça découle de l'Église. Hein, tu savais? Oui, ben, genre tabarnak, crise. Ouais. Donc, honnêtement, je sais même pas c'est quoi un tabarnak, mais je sais que c'est un tabernacle, okay. Un calice, l'hostie qu'on mange. En tout cas, c'est tous des mots qui sont dérivés de l'Église. Il y a des façons de sacrer en étant plus poli. Donc, des diminutifs, des sacres. Donc, par exemple, si je dis... tabarnouche, tabarnane, ce sont des sacres, mais polis, qui peuvent se dire dans des contextes, mettons... familiers, mais aussi plus comme, mettons, je pourrais être dans un magasin, chercher un chandail, je le trouve pas, tabarnane, puis il y a quelqu'un à côté de moi qui ferait juste me regarder puis faire... Fait que, mais tabarnane, tabarnouche, tabarnique, bref, tu sais, des petites variantes en i, en ou qui adoucissent un peu. Exactement, qui est tabarnak. Tabarnak, oh, ça fait mal aux oreilles. C'est comme une chose. De putain, on dirait punaise. Ouais, punaise, ouais, c'est... exactement. Ou en anglais, mettons, je pense que je l'ai déjà dit, mais. Okay. Mais, mettons, ou en anglais, ça peut être comme. Au lieu de damn, ça veut dire dang. Genre, quelque chose ils qui. Ont en anglais, ouais. Okay. Donc, ça, c'est des diminutifs. Hein. Mettons, il y a esti, hostie. C'est de l'allomorphie, donc ça vient du même mot, mais ça veut dire la même chose. Esti, hostie, c'est juste la phonologie, la façon de prononcer est différente. Il y en a un qui est mieux vu que l'autre? Non. OK, c'est le même. Les deux, ça vaut la même affaire. Mais ces deux mots-là sont pas capables de prendre quelque chose de diminutif. C'est esti. Ils sont déjà trop courts. Ouais. Sti, même si je dis sti, ben là, sti, genre, c'est mal vu. Mettons, calice. Ben, il y a la dérivation Colin. Colin qui est comme, oh, Colin. Colin Debine. Ouais, voilà. On l'a déjà entendu. Colin Debine. Écoute, c'est probablement parce que ça rime, parce que ça n'a aucun sens. C'est super beau. Moi, j'aime bien. Ça parle de Bine tout le temps au Québec. Ah, ouais.